Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose des aiguillettes de poulet aux petits pois et aux pâtes. Donc pour cette recette, là, j'ai 400 g d'aiguillettes de poulet. Là, j'ai coupé et mincé un oignon. Là, j'ai 200 g de pâtes. Ensuite, il va me falloir quoi? Du sel et du poivre, mais ça, on fera juste au moment de déguster. On mettra un petit peu de curcuma. Et puis là, j'ai 400 g de petits pois congelés. Et puis là, j'ai 300 ml d'eau avec un cube de bouillon de volaille émietté, qui va faire que je finisse d'émietter d'ailleurs, parce qu'il y a encore des morceaux. Et bien écoutez, il me faudra aussi de l'huile, à vous de voir si vous mettez de l'huile d'olive, de tournesol ou bien autre chose. Et bien c'est parti pour la recette. Et bien on va tout simplement se mettre en mode manuel et en mode doré. Et on va verser de l'huile dans la cuve. Et on va attendre que l'huile soit chaude. Le préchauffage est terminé. Donc je vais mettre mes oignons. Là je suis à 10 minutes de fonction dorée. Je vais ajouter mes aiguillettes. Là je suis à 3 minutes de fonction dorée. Je vais saupoudrer avec du curcuma. Je mélange. Je vais maintenant ajouter les pâtes. Je vais verser mon bouillon, là j'ai 300 ml d'eau avec un cube de bouillon de volaille. Hein. Je vais voir si j'ai assez d'eau. Ouais, ça devrait suffire. Je vais ajouter maintenant mes petits pois. Allez, j'arrête la fonction dorée. Je vais passer en cuisson rapide ou cuisson sous pression. Là je vais mettre 5 minutes de cuisson. Je fais OK, car un départ immédiat. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette. Eh bien, la cuisson est terminée. Je vais pouvoir arrêter mon cookéo. Je vais mélanger tous les ingrédients. Eh bien, il ne me reste plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.